Salut les gars, c'est Julien des Barvengers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer ce qui se passe dans mon assiette. Donc on attaque la journée directement au travail, tout simplement parce que moi, je ne prends pas de petit déjeuner. Donc je fais le jeûne intermittent. Donc pour ceux que ça intéresse sur le jeûne intermittent, je vous invite à laisser un commentaire. Dans ce cas-là, je ferai une vidéo sur le jeûne intermittent en expliquant tous les bienfaits et les détails. Sinon, vous pouvez retrouver plein de livres qui expliquent ce que fait le jeûne intermittent et tous ses bienfaits. Donc pour moi, le jeûne intermittent, ça se passe de 21h du soir jusqu'à 13h le lendemain, où en fait, je ne mange pas. Je bois que de l'eau ou du thé. C'est la seule chose que vous avez droit. Donc ensuite, arrive midi. Donc moi, je débauche vers midi et demi. Donc j'arrive chez moi, le temps de rentrer, etc. Il est 13h. Donc à ce moment-là, on se retrouve dans notre assiette. Alors pour ce midi, on commence avec une gélule de vitamine, des oméga 3, de la vitamine D. Ensuite, je bois un verre de kéfir de fruits, donc avant de manger. Ensuite, on va passer sur des panadillas. Donc, c'est à base de pâtes complètes, faites avec de la viande hachée, un peu de gruyère, des poivrons, de l'ail, des oignons et aussi quelques épices avec du concentré de tomates. Et ensuite, on passe au dessert avec un morceau de pain complet et deux tranches de fromage de chèvre. Donc ensuite, pour la collation de 16h, on se retrouve avec deux cookies. Donc des cookies qui sont protéinés à base de flocons d'avoine. J'ai déjà fait la recette en vidéo, donc je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent en faire. Franchement, c'est super simple à faire, facile. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, il vous faut juste une banane, un œuf, des pépites de chocolat, des flocons d'avoine, et si vous avez envie, vous pouvez mettre une dose de whey. Donc moi, j'en ai mis pour avoir quand même un apport en protéines. Donc voilà pour ma collation, le petit goûter de 16h. Donc après, il faut savoir que je bois beaucoup d'eau. Je suis en moyenne sur du 3 litres par jour, donc sans compter la boisson pendant l'entraînement. Moi, je parle de vraiment sur la journée globale. Je suis à 3 litres par jour parce que j'ai constamment une bouteille d'eau ou un shaker avec moi, avec de l'eau dedans. Des fois, je mets du thé ou du citron pour aromatiser un peu. Voilà. On se retrouve pour le dîner avec des haricots verts accompagnés d'un filet de poulet avec une panure flocons d'avoine, herbes de Provence et sel poivre. Voilà les gars, cette petite vidéo est terminée. Et surtout, t'oublie pas de t'abonner et de mettre un gros pouce bleu. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Et ciao ciao. Yeah. Wow.